sur la survie. Je suis content pour une fois que j'utilise autrement qu'en tapis de sol. Ah, c'est bon. Nature sauvage à perte de vue. Début de l'aventure, soit. Ah. On va trinquer comme il se doit. Santé. En venant à Rogen, ce n'est pas tant une terre lointaine et sauvage que je m'apprête à explorer que cette part de moi-même que la nature a produite et dont elle dispense tous les besoins. Au bout du compte, il n'y a rien à chercher et peu de choses à savoir. Il y a plutôt à découvrir qu'en ne faisant que passer, en ne s'attachant à rien, on dispose de tout et on ne manque de rien. À Rogen, les premiers jours sont les plus difficiles, une mise à l'épreuve. Les deux points d'accès en canoë se situent dans les moraines, un enchevêtrement de lacs entrecoupé de nombreux portages. Pour parer à tout imprévu météorologique, près de 14 jours de vivres sont nécessaires pour rallier Oros. Avec le retour à pied, ce sont 19 jours de vivres que je décharge, transporte et recharge à chaque portage. De quoi ouvrir l'appétit, tant pour faire face à l'effort que pour alléger le sac. Bon, cinquième portage de la journée, fait. Et si, je sais pas quelle heure il est, si j'arrive là où j'avais plus ou moins annoncé que j'arriverais aujourd'hui, il me reste encore 5 portages. Thank you.
Je vais rencontrer plusieurs rapides sur mon itinéraire. Mais s'ils sont trop difficiles, je pourrais toujours faire un portage le long de la rivière. Les deux points que je redoute vraiment sont le lac Rogen et le lac Femunden. On ne s'imagine pas qu'un lac puisse représenter un danger. Et pourtant, sur des grands lacs de plusieurs kilomètres, lorsque le temps se dégrade et le vent se lève, les courants peuvent devenir tellement forts que même en pagayant à deux, ils peuvent nous faire reculer et décider de notre trajectoire à notre place. Si jamais les vagues nous heurtent de flanc, elles peuvent rendre la navigation périlleuse. Dans ce genre d'aventure, il n'est donc pas exceptionnel de rester bloqué sur le bord d'un lac, en attendant une fenêtre météo qui nous permette de le traverser. Par chance, aujourd'hui les conditions sont radieuses, et ce n'est pas sans impatience que je m'approche doucement du lac Rogen. Je sais pas comment ce paysage va ressortir à l'image, si il va donner le même sentiment que j'ai là maintenant en le voyant. Un peu l'impression d'être sur une autre planète quoi. Là, ce portage, il fait 1 km. Que mine de rien, ouais, ça me... J'ai rentré déjà pas mal de kilomètres aujourd'hui. J'ai déjà fait un portage 800 mètres et puis après de nombreux petits autres. Voilà, juste d'arriver avec le canot. Portage terminé. Celui-là, c'était le plus dur de tous les portages. Je voulais éviter de faire un troisième aller-retour, donc j'ai pris le sac étanche et le canot en même temps. J'en ai bavé à fond et j'en porte les marques encore là. Je sais pas, j'ai marques de tendeur imprimées sur les épaules de chaque côté à mon avis. Ouais. Là j'en ai chié, j'ai serré les dents là pour arriver au bout. La nuit a été super mouvementée, ce genre de bourrasque de vent et de la pluie très forte. Hop. Vous allez voir que ça n'a pas fière allure. Et j'ai pris l'eau de partout. Alors j'ai pas fini de tremper, mais j'ai le duvet un peu mouillé, le hamac est trempé, mais le duvet est humide, et puis là ce matin je commençais à subir dedans, enfin quand je me suis réveillé j'ai traîné un peu à vraiment me réveiller, comme je voyais la météo, j'ai dit je vais pas me dépêcher, évidemment, dans ces cas-là, puisque tant que je peux pas reprendre le canoë, je me suis dit c'est le moment de récupérer, de dormir le plus longtemps possible, et puis... Malgré dormir le plus longtemps possible, en fait, je viens de regarder l'heure, il est 8h.
Bon, dernier portage de la journée, je crois que je l'avais déjà mentionné, mais je sais pas si ça s'entendait bien au travers du plastique dans lequel était mon téléphone. Et puis finalement la cabane, il y a 4 ou 5 jeunes dedans qui font de la pêche. Donc je vais m'installer à côté en tarpe, voire repartir direct, parce que là ça s'est arrêté de pleuvoir, il n'y a pas de vent. Donc peut-être juste faire une pause pour manger et puis repartir sur le lac. Sur le lac Rogan, je suis parti, j'ai profité d'une accalmie, je suis parti et puis j'ai passé la pointe du lac Rogan et je suis remonté un petit peu de l'autre côté. Je me suis arrêté à une aire de pique-nique qui n'est pas indiquée sur les cartes et puis voilà, je fais une pause et puis couverture de survie. Je suis content pour une fois que j'utilise autrement qu'en tapis de sol. Là elle est super utile, hein. Il pleut depuis ce matin et il pleut, c'est des sauts quoi, hein. Par moment c'est pas de la petite pluie, c'est vraiment des sauts et des sauts. Quand on est sur de la rando, voilà, on se change, on se met en affaires chaudes, etc. Là il pleut tellement, etc. que en fait ça vaut même pas le coup déjà. On est trempé jusqu'à la moelle, donc si on remet des affaires sèches juste pour manger le midi, on va les humidifier. Après, on les remet humides dans les sacs étanches. Et puis, ou bien si on les garde sur soi, ça va prendre quelques heures maximum avant que ça ne se retrouve trempé. Donc en fait, c'est beaucoup plus efficace comme ça, quoi. Couverture de survie, rester mouillé. Et puis ensuite, en partie avec la chasse, avec la chaleur corporelle, on arrive à sécher, donc j'ai pas mis de mid layer, hein, par contre mid layer j'essaie de la garder sec. Enfin je dis j'essaye parce que comme une bête que je suis, je l'ai mise dans le sac sans la mettre dans le sac étanche à un moment donné. Il y avait un très gros orage, il y a eu un peu de tonnerre et des éclairs. Et puis je suis pas encore. Il y a toujours un peu l'imagination qui court avec le canoë et puis le trépied photo en métal dressé vers le ciel au milieu du canoë, au milieu d'un lac où tout est plat. Il n'y a que ma tête et le trépied photo en métal qui dépassent et donc je voudrais pas attirer la foudre. En pratique, je pense vraiment pas que ça soit un risque vraiment très probable, mais voilà, en tout cas psychologiquement, j'ai eu ce truc là qui m'est passé dans la tête. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai replié le trépied photo, et puis pendant un moment, je voulais filmer. Et puis le support de téléphone que j'avais sur le trépied photo, le pas de vis, s'est arraché du truc en plastique, donc voilà, je pourrais pas faire beaucoup plus d'images avec le téléphone autrement qu'en le tenant à main levée. Puisque c'est quand même avec celui-là que c'est le plus facile de faire des images par le temps qu'il fait. Là c'est un peu le défi aussi de faire des images avec la météo que j'aime. Et voilà, c'est une vraie aventure quoi, pas du tourisme, plage, soleil, maillot de bain. Voilà, c'est le prix à payer pour une vraie aventure. Thank you.
nature, en s'exposant à ses forces et en rencontrant ses dangers, elle nous enseigne l'humilité, la patience, le courage et la persévérance qui permettent de recevoir avec grâce ce qu'elle donne à chaque instant. De sentir ainsi la nature vivre en nous et avec nous plutôt que contre nous, autant que nous sommes capables de vivre en elle et avec elle. Aujourd'hui, c'est du vent à fond, super fort. Malgré que j'avais le vent de dos et les courants de dos, j'ai eu pas mal de difficultés. Ça a été parfois assez technique et assez ardu d'arriver ici. Finalement, je suis parti à la recherche d'une autre cabane, celle que j'avais vue. Sur l'une des cartes, elle apparaît comme un carré noir, donc ce qui indique qu'a priori, c'est une cabane privée. Et donc, il y en a une autre. Il me semble que celle-ci est accessible, donc je suis à la recherche de cette cabane qui doit se trouver quelque part par là. Elle n'est pas au bord du lac même, et puis il n'y a pas de chemin. Et là, je sais pas, j'ai cru voir une place un peu dégagée là-bas, je sais pas s'il n'y aurait pas quelque chose que je suis en train d'aller explorer. Bon, il n'y a personne, la cabane est libre, donc elle est pour moi, et puis je vais me mettre là, voilà. Je commence déjà à avoir faim, donc je vais apporter mes affaires, et puis me faire à manger. Un petit déj à l'anglaise, et puis c'est une vraie cabane de Hobbit, elle est magnifique, regardez-moi ça. Avec des morceaux de bois comme ça, là, waouh. Et puis cet arbre. Juste au-dessus, faut que je me recule, me faire une vue d'ensemble. C'est tout droit sorti d'un film avec une belle musique de Danny Elfman. Regardez-moi ça. Je sais pas si je peux enlever ma tête là de. Le vent et les courants m'ont amené ici et j'ai pas l'intention de lutter contre le vent et les courants pour en repartir. Donc a priori je vais rester ici jusqu'à demain. Voilà, puis la place est libre, magnifique, un petit rêve supplémentaire. Initialement j'étais parti chercher du bois et le bois est une denrée super rare dans le coin. Donc ma quête de bois s'est transformée
en grande promenade d'exploration. Et puis je suis tombé là-dessus, ça a attiré mon attention de loin, de voir ce monticule vert. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être naturel. Et ma supposition s'est confirmée. Il s'agit d'une fourmilière sur laquelle eh bien, la végétation a repoussé, donc pas de focus. Mais voilà, il y a quelques fourmis, c'est fourmis noires. Ça bouillonne pas à fond non plus, en même temps c'était super pluvieux, donc c'est assez normal. Mais ouais, ça fourmille tout de même. Ce matin, j'ai le plaisir d'être réveillé par les rennes. Les rennes se nourrissent de lichen et le toit de la cabane en étant recouvert, c'est au bruit de leur déjeuner que je suis sorti de mon sommeil. Dans la région, les cabanes destinées aux randonneurs ou pagayeurs sont d'anciennes cabanes historiques, parfois reconstruites et utilisées autrefois par les bûcherons ou les pêcheurs. Celle dans laquelle je me trouve est une cabane de pêcheurs. Mais à la différence des autres, celle-ci est privée. Quelqu'un que j'ai croisé en chemin m'a informé que le propriétaire la laissait ouverte aux voyageurs. Elle se trouve hors des itinéraires balisés et n'est essentiellement connue que des gens qui vivent dans la région. On peut donc dire que cette cabane est un témoignage encore vivant du mode de vie historique dans ces grands espaces. Embarquement pour aujourd'hui, première partie du portage faite. Je sens que le sac est plus léger déjà, ça fait du bien. Là, j'ai pu prendre le gros sac avec le day pack et puis le gilet en même temps. Donc là, j'ai juste un aller-retour à faire pour le canoë. Là, c'est du portage, long portage. Hein. Heureusement que j'avais cette pause avec la cabane au milieu. Et là, je suis sur une piste de rennes. Donc je suis tout simplement le petit relief ici là jusqu'au bout. Voilà, pour le départ sur rivière, j'ai fait une longue pause de midi, j'ai bien mangé, j'avais très faim, donc j'ai bien mangé et puis ensuite j'ai commencé à m'assoupir et puis surtout qu'un gros nuage gris est passé avec une averse très forte, donc du coup bah, j'ai pas cherché, j'ai fait la sieste et puis voilà, là je suis prêt à repartir, je suis en mode rivière, donc le sac à dos est dans le sac étanche. Alors le sac à dos a déjà un sac étanche à l'intérieur, donc il prend mes affaires, ne risque pas de prendre l'eau.
Simplement en cas de retournement en rivière, voilà, avec ce sac là, il n'y a pas de risque que le sac s'accroche au milieu de la rivière sur des rochers ou quoi que ce soit. Et puis ça flotte beaucoup mieux, puisque quand c'est le sac étanche dans le sac à dos, comme tout est compacté, il y a très peu d'air, et donc ça va flotter, mais ça va flotter sous l'eau au lieu de flotter en surface. Donc avec ce sac là, qui est le sac de transport, de rangement du canoë, que je vais utiliser à la fin pour ranger le canoë et le laisser à Roros, hein, le temps de revenir chercher la voiture à pied, et bien avec ce sac là, au moins voilà, le sac à dos aura beaucoup plus de flottabilité. Il y a des gros blocs en dessous, on voit les remous là, mais il y a certains gros blocs qui sont un bon 70 cm en dessous, et le remous se produit du coup 3 mètres en aval, 2-3 mètres en aval, et puis d'autres où plus ou moins le même remous. Bon, alors ça, voilà, le niveau d'eau est tellement haut que ça c'est censé être le classe 1, donc il n'y a plus de classe 1 quoi. Juste un peu du gargouillis. De nouveau un portage. Là, celui-là, il est marqué en classe 3. J'ai enfin pu faire deux petites sections qui n'étaient même pas indiquées, quoi, mais des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits passages, un petit peu d'eau blanche, quoi, mais rien de technique, rien de difficile. Mais au moins, ça m'a fait plaisir, quoi, parce qu'à chaque fois, faire des portages, quand il y a des sections comme ça, au moins, voilà, ça m'a fait un petit peu plaisir. Et puis, j'espère qu'il y aura encore plus là, que ça va se changer encore plus en rivière ensuite, là, que je puisse utiliser. Je suis impatient là, d'utiliser le canoë autrement que sur les lacs, puisque à la base, il est conçu pour les rivières, celui-là, quand même. C'est pour ça qu'il traque pas droit du tout sur lac, c'est parce qu'il est extrêmement manœuvrable et donc il tourne très bien par contre en rivière pour éviter les obstacles. Donc je suis impatient là, toute la section. Bon, après le lac Femunden, de toute façon c'est que de la rivière jusqu'à Roros, donc j'aurai tout le loisir de me rattraper, ça va être super chouette, ça va faire du bien au moral. Et là cet endroit est juste somptueux. Et je suis en train de chercher le point où les gens s'arrêtent pour le portage, qui est à n'en pas douter avant le rapide. Voir jusqu'où ça va. Une grosse section. J'ai l'impression qu'il y a une chute d'eau au bout. Donc je vais regarder sur la carte et puis je pense peut-être passer plus en haut pour le portage. Enfin bref. Jusqu'au genou. Petite pluie, jolie jolie. Et là, faut que je grimpe là-dessus. Là. Ah.
parti. Désolé pour la manœuvre. Je ferai des beaux plans ensuite. Je vais revenir sans le canoë faire de plus jolis cadrages. Yes. Premier franchissement accompli. 300 mètres. Je serais pas surpris qu'il n'y ait pas une deuxième chute d'eau là dans 150 mètres. Donc je vais aller faire un repérage à pied avant de me relancer là-dessus. Parce que là quand je monte et je descends un peu, il y a un espèce d'effet parallaxe au bout avec le dernier rocher. Voilà, je viens de franchir la seconde chute d'eau, enfin de la franchir. Je n'ai pas franchi en canoë, je viens de faire le portage. Et donc je suis de nouveau prêt à partir. Et puis comme très souvent, après chaque chute d'eau ou rapide ou comme ça, on a un eddy et puis un coin un peu calme. Avec un très joli spot de bivouac de nouveau. Donc là, il y a un petit emplacement feu. Ambiance des portages mythiques de Rogan. Comme c'est beau. Et puis là, avec cette montagne de rochers illuminée par le soleil en fond, ça crée une atmosphère vraiment particulière, grandiose.
Bon, voilà, je suis sur la fin de cette section là. C'est un peu plus gros là ici. Le problème, ils ont foutu, il y a toute une barrière de rochers là juste devant. Donc en fait, je suis obligé de rester en plein milieu dans la veine d'eau. Et puis là-bas à droite, pareil, il y a encore tout un truc en travers avec des branches. Donc en fait, celui-là, je suis obligé de le prendre en plein milieu jusqu'au bout, quoi. Quand même pas mal de cailloux que j'ai évité. Fin de la sixième journée, ça y est, je suis arrivé, j'ai monté le bivouac. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur celui-ci? Cet arbre-ci, très souvent quand on monte son hamac, on a tendance à chercher des gros arbres et puis on a peur d'en prendre des trop petits. Ici, vous voyez, le diamètre n'est pas très gros. Souvent, ça tient très bien. Après, il faut se méfier des sapins quand même parce que ce n'est pas des racines plongeantes. C'est des racines qui restent en surface, donc quand c'est sur du caillou, en plus sablonneux ou comme ça, ça a vite fait de s'arracher. Et donc l'astuce ici, je me suis pas cassé la tête, j'ai passé, puisque j'ai tendu la corde pour le tarp, je suis passé autour. Par contre je l'ai pas très bien fait, il aura fallu que je fasse un ou deux tours morts plutôt qu'un simple truc comme ça en cisaillement. Ça c'est pas terrible, mais enfin voilà, dans le principe, passer autour de l'arbre et puis poursuivre et rattacher un autre plus gros en mettant déjà d'avance un maximum de tension ici, ce qui fait que quand on s'allonge dans le hamac, eh bien ça vient soulager ce petit pépère là.
Donc, repas de ce soir, c'est une espèce d'omelette à l'oignon, aux herbes et ensuite au parmesan. Hein, parmesan toujours super solution, fromage super sec, super fort, qui se conserve très bien sans être au frais lors de randonnée et qui permet d'assaisonner tous les plats qu'on souhaite, faire des sauces, etc. Donc ça fait voilà, omelette parmesan avec des oignons et des herbes. Et puis derrière, je suis en train de faire chauffer l'eau pour du riz. Ça va faire un bon repas là, et puis qui va alléger aussi puisque j'ai passé les 4 derniers œufs qui me restaient. Et ensuite, j'ai vraiment plus aucun produit frais et lourd de départ. Je suis à l'entrée de la rivière sur laquelle je vais naviguer les prochains jours jusqu'à Loros. Et donc, eh bien, c'est parti. Officiellement, on est lancé jusqu'à Loros. Très bien au milieu, mais et ça a repris du fond. Très bien. Je vais repasser sur ma favorite. Avec l'autre, j'ai vraiment l'impression de touiller le café avec une petite cuillère. Là, je donne un coup de rame, ça avance quoi. Installation terminée et le feu est en route comme d'habitude pour chasser les moustiques. Ça a été la première chose que j'ai faite. La clé dans tout ça en fait c'est de disparaître et d'arriver à s'oublier. Tout en étant entièrement présent à l'instant. Et dans cette présence à l'instant où l'on s'est oublié, du coup il y a un espace qui s'ouvre et qui est détendu, qui est paisible et qui est harmonieux. Et c'est un espace dans lequel on se sent du coup en communion avec la nature, en harmonie avec la nature, et on se trouve bien là où on est, à sa place, et donc à cet endroit-là, on trouve le sentiment d'être chez soi, à la fois dans l'environnement extérieur et puis à l'intérieur de soi-même. Et donc c'est important de comprendre ça parce que c'est ça qui règle la question de la solitude et de la peur d'être seul. Pour ceux qui ont cette peur-là sur le voyage en solitaire, quand on est à cet endroit-là, en fait, on ne se sent pas seul. Le fait de se sentir seul
c'est la manifestation d'une forme d'activité mentale qui n'a rien à voir avec l'instant présent. C'est des souvenirs, c'est des regrets, c'est des manques, c'est des... tout ce genre de choses en fait, qui viennent se manifester dans notre esprit et qui font qu'on va se sentir seul. Tout ça, c'est aussi des choses qui, quelque part, qui viennent obstruer notre présence pleine et entière à l'endroit où l'on est, dans la nature, et qui viennent un peu ternir la relation qu'on a à notre environnement immédiat en pleine nature. Il y a des choses en nous à conscientiser, à lâcher. Il y a parfois de la distance à mettre. Et cette distance, c'est un approfondissement de nous-mêmes, quoi. Il ne s'agit pas de créer une tension vis-à-vis de choses qui se manifestent en nous. Il s'agit plus de lâcher prise, et ce lâcher prise, il crée un approfondissement de notre présence qui nous rend aptes à être présents à ces choses-là, du coup, dans ce genre de situation. Donc à chaque fois où il y a ce genre de difficulté, c'est une opportunité de développer notre capacité à rester présent. Et rester présent, ça veut dire aussi rester disponible et puis rester disposé à prodiguer ou procurer ou rayonner de la bonté, de la bienveillance, aider un peu ce qui se trouve autour de nous, avoir une présence qui soit bienveillante. J'avais déjà parlé de présence bienveillante lors d'une vidéo, pour conclure une vidéo, je crois, sur comment se sentir à l'aise la nuit en forêt. C'est toujours ça qui revient dans la présence. Être présent pour être frigide comme une porte de prison, ça n'a pas de sens. La présence, elle doit être dans la présence. On doit trouver la détente et on doit trouver la paix. Et de cette détente et de cette paix, on doit trouver de la joie, on doit trouver de la joie et de la bienveillance. Et la joie et la bienveillance, elle n'est pas faite pour être gardée à l'intérieur de soi, elle est faite pour être exprimée dans tout ce qu'on fait, et puis encore plus vis-à-vis des gens qu'on croise. La vie dans la nature, le bivouac, il y a des choses simples, mais c'est des choses qui peuvent profondément nous transformer, ou en tout cas nous soutenir, nous aider dans la vie, quels que soient les soucis qu'on puisse avoir, ou bien même si on n'a pas de soucis, ça peut simplement, c'est aussi un moyen simplement de rester connecté à la terre, de rester enraciné, de garder un lien avec la terre, et donc on se sent mieux dans notre corps aussi de cette façon-là, même si on a une vie parfaitement heureuse, et moyen de s'offrir tout ce qu'on souhaite. Le bivouac, etc., ça reste un moyen d'accéder à des choses qui sont fondamentales pour la vie humaine et la relation à notre corps et au monde. Allez, on est bien. Il manquait 10 cm pour bien me remplir d'eau sur l'avant, là, quand même. C'est le plaisir de la fin, là, quand même. Avant d'arriver à Roros, on fait la section Saint-Descence. Il y a quand même le moyen de se foutre à l'eau, mais... Hop là, ça a touché encore. C'est pas, ça va.
Voilà les amis, ça sent la fin de cette première partie d'aventure canoë. Je suis pas sûr, j'ai pas fait de point topo, mais il me semble que l'un des premiers points pour accoster que j'avais visé se trouve droit devant. J'ai jeté un coup d'œil sur Google Maps, trouvé un camping, par chance, qui se trouvait au bord de la rivière, un peu en contrebas de Roros. Donc je les ai appelés, savoir si je pouvais déposer mon canoë, etc. et passer la nuit. Et puis il y avait une cabine de libre. Donc j'ai pris une cabine et puis j'ai passé la nuit ici. Et puis j'ai pu leur déposer le canoë avec mon day pack et puis les pagaies. Donc ils me gardent ça pour 4-5 jours. Je suis sur le départ, j'ai réorganisé toutes mes affaires. Donc toujours même dans le sac à dos, hein, ça ne change pas. J'ai dézippé les poches latérales pour l'alléger au maximum. Et puis voilà, c'est une telle capacité, 125 litres, que j'ai pas besoin d'utiliser les poches latérales. Donc tout tient dans la grande poche centrale et puis voilà, compacté, etc. pour avoir la charge au maximum au plus près de la clé de portage. Alors malgré que ce soit en configuration allégée, ça reste un poids quand même super lourd, hein, du fait que c'est un sac destiné au port de charge lourde. C'est un sac qui à vide je fais dans les 4,5 kg, donc c'est déjà le poids de la config d'un gars qui fait de la rando ultra light sans rien mettre dedans. Mais en tout cas, voilà, il y a un tel confort de portage avec la ceinture articulée qui suit le mouvement des hanches que on sent pas le poids, quoi. Enfin, on sent, ça muscle les jambes, mais on sent pas la charge sur les épaules, sur les hanches. On n'est pas, le corps n'est pas en train de se battre contre le sac pour le porter autrement que simplement développer notre musculature. Bien, premier sommet, si on peut appeler ça un sommet. Je pense à 1000 et quelques. On aperçoit un petit peu de l'eau sur laquelle j'ai navigué pour arriver à Roros dans la vallée. Et puis voilà quoi. Ouais, mon trail il est là. Et puis bah, c'est ça qui m'attend pour les prochains jours. Les collines de la forêt et puis de retour sur Rogan. Ça va être du caillou. C'est l'autoroute. Et puis sur Rogan, ouais, les parties plates vont disparaître. Et ouais, le trail est... on peut pas faire plus simple. C'est des kilomètres, c'est tout droit. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu, je suis pas sur ma track, sur mon truc de GPX, là, comment on dit ça en français, ben, sur ma piste GPX. Néanmoins, comme évidemment j'avais quand même, je suis pas parti comme ça à l'aveugle, donc je savais qu'il fallait que je contourne ce relief par la droite, et je suis bien en train de contourner ce relief par la droite, sur un semblant de piste, et moi mon truc GPX, ma piste est, je sais pas, 50 mètres plus haut, dans les bois, et celle-ci en fait descend ensuite, donc en fait elle s'éloigne l'une de l'autre et celle-là descend, donc c'est très bien que je m'en aperçoive maintenant. Premier petit passage à guet, petite traversée de rivière, et puis je la longe ensuite, je sais pas, sur quelques centaines de mètres pour la retraverser plus loin. Et voilà, ça, hop, ça c'est le trail. Ok, deuxième franchissement, et puis on se dirige, je crois, vers cette petite colline là, faire le tour par la droite. Et puis voilà, hein, au point où j'en suis. Hop, de toute façon, le chemin c'est ça. Que je parte pas n'importe où, il y a une marque rouge là-bas. Je me trouve au milieu de nulle part, en pleine nature. J'ai fait tomber la veste parce que je suis plus mouillé avec que sans, tellement elle respire mal, malgré les pieds.
speed zip intégraux, etc. Évidemment, au niveau des épaules, ça respire pas du tout, du tout. Et je me retrouve complètement trempé en dessous. J'ai fait le test de souffler au travers du tissu. Même en soufflant bien fort, j'arrive pas à sentir d'air qui passe, quoi. La veste que j'avais de chez Simalp, ça passait sans problème. Ça respirait, quoi. Donc il y a vraiment une différence flagrante qui fait que je me retrouve mieux en t-shirt malgré le crachin qu'avec cette veste. Je suis, comme je disais, au milieu de nulle part, dans un paysage splendide. Et je suis, idéalement, si j'ai l'énergie, je suis à la moitié du parcours que je veux faire aujourd'hui. Et... Donc là, voilà, le trail est là, et ensuite ça, je passe derrière ce petit promontoire et je remonte sur la colline, qui est la grosse colline qu'on voit là en face. Pour l'instant, je veux essayer d'enquiller les kilomètres tant que j'ai ce genre de terrain et que je ne suis pas dans du caillou pur, ce qui va être le cas à Rogen en principe, d'après les échos que j'ai eus et ce que j'ai pu observer. Donc je risque d'arriver, je sais pas, là il est 16h30, 17h, un truc comme ça, et donc je pense que je vais marcher, si j'ai la force, je vais marcher jusqu'à 20h, 21h, dans ces eaux-là, et puis sur les coups de 20h, voir où j'en suis, quoi, si je vois qu'il y a encore de trop, je m'arrête avant, mais disons il y a une cabane là-bas, donc je pourrais faire du feu. Là, en théorie, puisque je suis loin des flammables, c'est autorisé, mais il n'y a pas une branche, quoi. Je suis pas prêt de faire brûler un truc, là. Mais pourquoi j'ai oublié ma crème solaire? Bordel. Ça, c'est bon. Nature sauvage, à perte de vue. Et puis, si je m'arrête, je crève. Personne qui va venir me chercher. J'ai juste ma couverture de survie, mon tarp. Là, je me sens bien là. Je suis trempé jusqu'à la moelle. En plein vent, glacial. Enfin, le vent lui-même n'est pas glacial, mais enfin la vitesse du vent, etc. Me fait chuter en température. C'est pour ça que j'ai remis la veste. Puisque en fin de compte, là de nouveau, le t-shirt avait séché sans la veste. Et puis là de nouveau, le t-shirt est mouillé avec la veste. Parce que je me suis passé dans un nuage, là je me suis fait saucer comme il faut. Bon, je profite de quelques secondes où les nuages passent et où la vue se dégage. Voilà, pour faire un petit panoramique du paysage qui malheureusement, voilà, c'est une année pluvieuse, année nuageuse, donc on n'y voit pas grand chose, mais paysage assez fantastique, à perte de vue des collines et pas une trace de civilisation. C'est toujours un plaisir quand ça se découvre, quand ça se dévoile un petit peu comme ça. Bien, nouveau petit panoramique Pointe aux Pots. J'étais sur cette crête là, j'ai monté là dessus. C'est là où j'ai dû recharger le téléphone, j'avais plus de batterie. Et puis c'est là où ça s'est éclairci un peu, où la masse nuageuse dans laquelle j'étais et je me prenais la pluie est passée. Et puis j'ai redescendu le long, un peu en contrebas de la crête après. J'arrive pas à voir sur le téléphone là pour pas dire des bêtises avec le bâton. Donc là il y a un petit promontoire, petite colline. Celle-là je l'ai contournée par le bas, redescendu et puis revenu là un peu dans les méandres du petit vallon.
Et puis donc j'arrive de là-bas derrière. Et voilà, très très belle vue encore une fois. Il y aurait des lumières de soleil là, rasantes le matin ou le soir, là, ça serait époustouflant. Et donc, ouais, là j'ai mis, je crois qu'il était 16h30 quand j'étais là-haut, là, sur la colline en face. Là il est 18h30, un peu plus même, que j'ai mis 2h pour aller de là-bas à ici, dans la brume, la rocaille et la boue. Ouais, 20h ça va faire short, mais peut-être 21h, j'ai encore bon espoir, 21h d'arriver à la cabane que je ciblais idéalement pour aujourd'hui, parce que j'étais vraiment pas sûr de pouvoir l'atteindre. Et là maintenant, c'est chaud chaud les marrons, mais ça me semble tout de même jouable. Bon, je suis en train de regrimper sur l'autre, là j'arrive de la colline en face, là où j'ai fait la séquence vidéo précédente. Et là je regrimpe vers l'espèce de flanc rocheux qu'on apercevait. Et celui-ci, plus petit là, pour passer entre les deux, redescendre derrière vers le lac. Et ouais, fin de journée, ça se fait sentir dur dur. Quand... Et puis dans ce sol là, c'est marcher sur de l'éponge. Les pieds s'enfoncent. Et c'est comme ça toute la route là, dans les... dès qu'il y a des arbres. Et là c'est propre, il n'y a pas la boue, il n'y a pas, il y a juste la mousse. Et on est en hauteur, donc l'eau elle est retenue par les mousses, par le sol. C'est pas de l'eau qui s'écoule vers le bas et puis tout redevient sec. Donc c'est soit être au-dessus de la végétation dans le vent, ou bien voilà, dans la flotte. Étape importante pour moi là moralement, parce que je commence à être, j'avais même plus à parler, je commence à être au bout de mes forces. Là c'est peut-être la dernière fois que j'aperçois cette montagne d'où je viens, tout au fond à l'horizon, sur laquelle voilà, je suis passé à 16h30, et puis je sais même pas ensuite si j'ai pas démarré sur celle qu'on voit vraiment derrière à l'horizon. On voit juste une toute petite bande fine. Je sais pas si ça ressort à la caméra. Et puis voilà, toute cette distance, les petits vallons, les petits trucs, tout ça passé avec les chaussures pleines de flotte. Et puis de la boue, parfois des cailloux. Et là, étape que je m'étais fixée, enfin le lac. Et puis si je sens pas d'aller jusqu'à la cabane, voilà, je vais me bivouaquer pas trop loin dans le coin, je sais pas, soit dans les arbres là ou dans les arbres de l'autre côté, trouver un endroit qui est pas trop détrempé, ce qui est quasi mission impossible. Mais ouais, redescendre un peu et puis trouver un coin un peu plus abrité du vent au cas où le vent se lève, pour pas me retrouver avec un tarp de 4,50 m en plein vent qui se transforme en parapente. Qui s'envole et puis que je me réveille du coup sans tarpe pour finir cette rando. Voilà, là c'est sur la carte, ouais, c'était un point, l'un des derniers objectifs. Après le lac, ça redescend en principe plus ou moins, peut-être encore un peu à monter, mais ça redescend essentiellement vers la cabane. Mais il y a encore de la distance, hein. J'ai un gros, je crois encore un gros 6 km.
Et il commence à se faire tard, la luminosité a baissé. Je pense que le téléphone doit compenser ça. Mais la luminosité a déjà bien baissé. Après, voilà, je disais que je peux marcher jusqu'à 21h. Voire, moi, j'envisageais éventuellement plus pour être certain d'atteindre cette cabane et puis de passer un cap dans ce retour à pied. Le sol, hein, c'est toujours pareil. Voilà, on s'enfonce partout à fond. Les chemins sont des cours d'eau. Nous y voilà, on rejoint enfin les lacs. Et donc, je n'ai pas rechecké la carte. En principe, je ne remonte pas sur la dernière montagne là-bas. Ça doit redescendre en pente douce vers les quelques maisons où se trouve la hutte que je veux rejoindre. Officiellement, je n'ai plus de dénivelé positif pour aujourd'hui, donc je peux me relaxer. Et puis voilà, je sais que quelle que soit l'heure à laquelle j'arrive, j'arrive là sans forcer. J'ai plus la pression. Et puis voilà, je peux en plus redescendre avec cette vue là. Donc ça, c'est les lacs au nord de Femunden, et puis on voit un petit bout du grand lac Femunden là-bas derrière, qu'on aperçoit tout petit liseré au-dessus de la crête, au point les plus bas de la crête de la colline sombre là. Salut les baroudeurs, jour 11, il est 8h du matin et la météo est superbe, un ciel bleu. Je crois que c'est la première fois que j'ai un aussi beau soleil ces 11 derniers jours. J'ai eu une fois du soleil dans la journée, et puis peut-être une fois au petit matin, mais ça n'avait pas duré longtemps. Et puis là, aujourd'hui, ça s'annonce très très bien. Le ciel est assez dégagé, quelques nuages, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être une belle éclaircie. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, voilà, ça promet quelques belles heures pour la matinée, et puis qui réchauffe le moral, comme on dit. Le feu est démarré, le café est chaud, les chaussures sont en train de sécher. Je profite du soleil et des rochers pour étendre un peu les sacs de couchage et les déshumidifier avant de les remettre dans leur sac étanche. Également voilà, les chaussettes que j'ai séchées hier mais qui continuent vraiment la petite humidité de fin que je suis en train de faire sortir. Et puis voilà, je montre également le genre d'abri que je me suis fait hier, un peu à l'arrache. J'avoue que je ne savais vraiment pas trop quel montage faire, puisqu'on a des cailloux partout. Et donc là, j'avais trouvé une petite zone plate en dessous qui est pas mal. Et vous allez voir que j'ai un bel espace là, hop, avec des rochers au fond, une plante verte, plante d'intérieur, et puis un rocher ici. Et j'ai monté le truc, je ne savais pas trop comment m'y prendre au départ, et puis je l'ai monté un peu à l'arrache en fait. J'ai dit vas-y, commence un truc, et puis si ça ne marche pas, je corrigerai au fur et à mesure jusqu'à parvenir à un abri décent. Et donc simplement voilà, j'ai pris la zone plate, j'ai dit ok, c'est là que je veux dormir, je prends un bord, je pique trois sardines avec la largeur du tarp, et puis après je l'attache le reste n'importe comment, de façon à faire un abri. Et ce temps-là, ça réchauffe les os, ça fait du bien. Ça réchauffe les os. Et par contre, il faut que je m'attende à des nuées de moustiques ce soir. Parce que quand c'est comme ça, ça va éclore à fond. Et ça va être... Les moustiques vont être super actifs. Encore une super jolie vue sur la montagne là-bas. Voilà, première partie traversée, et puis ouais, j'en avais à peu près jusqu'en haut des mollets, et puis là seconde partie, et toujours pas de ouais. Là j'avais mis du truc élastoplast préventivement là pour ce truc là qui risque de créer des frottements, voilà, et des échauffements, etc. Pour l'instant, zéro douleur, rien. Je sens même pas un frottement particulier en fait. Par contre, je les serre bien.
si je ne les serre pas suffisamment, je sens que là, ça frotte d'une façon qui n'est pas cool. Et pour l'instant, pas de douleur, rien. Donc, toujours la méthode, hein, préventivement, quand on sent qu'il y a un truc. Si on commence à avoir conscience d'un point du pied avec la chaussure, c'est qu'il faut protéger parce que c'est que ça va chauffer, quoi. Normalement, il ne doit pas y avoir de point particulier de contact entre le pied et la chaussure qui nous viennent à l'esprit, quoi. C'est ce que ça veut dire de devoir ou pouvoir oublier, qu'on devrait en théorie oublier ses chaussures. C'est que voilà, il n'y a rien qui vient se manifester à notre attention de particulier, qui vient attirer notre attention en termes de frottement ou autre. Dès qu'il y a ça, il faut protéger direct. Il ne faut pas attendre qu'une petite douleur apparaisse. Et du coup, souvent, ça fait passer le truc. Là, je n'aurais pas protégé, je pense que j'aurais un échauffement, j'aurais une bonne douleur. Et le fait d'avoir protégé dès le départ, là, ça me permet, voilà, je suis sur le troisième jour et j'ai toujours pas la moindre petite douleur. Donc, ouais, ça, c'est un truc important, quoi. Pour les pieds, il faut prévenir, il ne faut pas attendre. Parce qu'après, on souffre le martyr inutilement, quoi. Cette fois-ci, je crois que pas moyen d'éviter les pieds mouillés. Belle zone humide, et puis sinon, il faut que je fasse le tour partout là-bas sur les rochers. Je vais traverser, et puis voilà. J'ai pas de t-shirt là, j'ai lavé dans la rivière, le rincer un peu. Et puis là, profiter du soleil, comme ça sèche super vite. Comme ça, voilà, ça me permet de rester frais. Je fonce là tout droit, en fait. Donc, c'est parti. Eh, pas trop mal. Ah, ça y est, on commence à être vraiment dans les... sur le terrain caractéristique de Rogan. Des collines dégarnies avec du rocher. Et puis ça va devenir de plus en plus caillouteux. Bon. Parce que si les chaussures vont pas résister, il n'y a rien à faire. Rogan, mes amis, on y est. Les collines dégarnies avec des rochers. Cette fois, on y est bel et bien. Il y a un calme. Pouah. Rogan, c'est la lune avec du soleil et des lacs. C'est un peu ça. Par endroit. En tout cas, vu des collines. Vu du canoë, on voyait les rochers sur les collines. On a quand même de la forêt au bord de l'eau. En réalité, bon, je vous fais la causette du monologue comme ça, blablater tout au long de la vidéo pour rythmer un peu la vidéo, que ça soit pas ennuyeux, que ça soit plaisant à regarder, parce que si je vous fais une vidéo 50 minutes de paysage en silence, personne, voilà, à part quelques exceptions, personne ne va regarder la vidéo plus de 5 minutes.
Donc voilà, je fais ça un peu en mode road trip et puis en partageant des astuces ou simplement en montrant un peu qu'est-ce que je fais chaque jour pour monter mon tarp, etc. Il y a des rennes là-bas, je sais pas si vous les voyez. Mais pour vraiment vous partager l'atmosphère de Rogan, en réalité, il faudrait que je vous fasse les 50 minutes de vidéo sans parler, quoi. Parce que vraiment, l'atmosphère ici, c'est le silence. Un profond silence, malgré voilà, quelques reindeers qu'on croise par-ci, par-là. Même les oiseaux, il y en a très très peu. Et donc on n'entend pas de chant d'oiseaux dans le fond. Et on est sur un silence lunaire, quoi. Il y a du vent, le bruit du vent et de la pluie, quoi, selon la météo. Et très très peu de bruit d'animaux. Quand je traverse un bazar là. Ah, c'est pas où. Il y a les parois. La marque a été là, je crois que je vais remonter un peu. Ouais. Enfin, la petite cabane que je souhaitais atteindre pour le repas de ce midi. Charmante petite cabane, quoi. Forme carrée avec du gros diamètre et puis des bois de rennes. Je sais même pas si c'est des rennes là, je sais pas ce que c'est comme carrément des élans ou je sais pas quoi. Ah, petite sieste et tout, et puis le bon repas là, ça fait bien. J'ai retrouvé la pêche de ce matin et là je pourrais courir dans la côte. Là, c'est le trail. Et il va là-bas. Il faut avoir l'œil. Je suis même pas sûr à 200% d'être dessus. Mais ça a l'air. Si, si, il y a un T là. De toute façon, c'est pas compliqué. Il faut que je passe à la droite du sommet et que je redescende de l'autre côté. Donc, que je marche 100 mètres là ou 100 mètres là, c'est pareil. De précipice ou de flanc rocheux ou rien du tout, donc on peut pas faire plus simple en hors piste. Je vais aller dans la bande d'herbe sous les rochers. Encore des myrtilles.
J'ai fini mon installation. Alors, le montage de tarpe d'aujourd'hui, voilà, c'est un montage du fait que je suis exposé en plein vent. Pour l'instant, le vent est retombé. Pourvu que ça dure. Voilà, je suis super exposé en hauteur, donc privilégier un montage profil bas avec le minimum de prise au vent. Donc assez aérodynamique, le vent dominant arrivant de ce côté-ci. J'ai cette face-ci voilà, qui remonte comme ça. Et l'idée c'est voilà, je préfère que le tarp s'aplatisse sous l'effet du vent plutôt que n'offre une grosse résistance qui risquerait de l'arracher, de l'emporter, et puis que moi je me réveille sans tarp. Ok, c'est reparti, de bonne heure et de bonne humeur. J'aime pas m'attarder sur le camp le matin, à moins de, voilà, vraiment d'avoir besoin pour récupérer ou d'avoir des choses à faire. Autrement, parfois je me réveille et puis c'est le plus vite possible. Café, manger, et puis ensuite, je secoue tout, j'arrache les sardines, je remballe tout, je veux plus voir le camp, je pars en vitesse. Et donc là, voilà, ça a été ça ce matin, reparti très vite. Malgré tout, il n'est pas très tôt, il est même tard, là, il est 9h du matin. J'ai pas super bien dormi, je sais pas, il y a la tarpe qui faisait des espèces de clapotis sur les rochers avec le vent, etc. Il y avait tout un tas de bruit du coup qui était moins habituel pour moi et qui ont fait que, je sais pas, j'avais plus de mal à m'endormir. Et puis même au niveau du sol, en fin de compte, j'étais pas super non plus, mais enfin voilà, c'était la meilleure place du coin. Et donc là je redescends sur le petit lac. Il y a quand même... Là voilà, on a une partie raide là, moi qui passe à pied. Y allant prudemment, il y avait moyen de la descendre à pied aussi, mais... La config a quand même rien à voir avec ce qu'il y avait sur le fond de carte. Parce que sur le fond de carte, les courbes de niveau qui représentent ce massif-là, elles reviennent sur tout le tour.
Et même sur celui d'en face, là qu'on voit un petit peu, mais c'est beaucoup plus haut. Il y a 3 courbes de niveau sur le fond de carte. Donc ça veut dire que c'est pas à cette petite hauteur, quoi. On doit avoir un mur quasi, enfin voilà, un truc qui descend vraiment raide tout autour. Et parce qu'elles sont pas superposées, hein, les courbes de niveau, il y a un peu d'espace hein, quand même. Mais elles sont très très rapprochées, quoi. Et ils ont même grisé à fond le tour. Il y a pas mal, c'est pas la première fois que je vois des grosses. C'est même pas une inexactitude quoi, ils ont inventé un décor. Je suis à moitié redescendu. Et mon trail passe sur la petite crête qu'il y a ici, là. Comme ça, là. Je monte avec les deux bâtons en même temps. Et donc moi je vais le rattraper plus là-bas en bas. Je vais pas faire partir direct dessus, faire un angle pour rien du tout. Donc. Je vais passer là, j'espère que ça va passer là dans le champ de cailloux où il y a tous les arbrisseaux. Parfois c'est des bonnes zones humides. Là c'est en tout cas, c'est la bonne position pour être une bonne zone humide. Après je devrais pouvoir passer de cailloux en cailloux. Bien, je me rapproche du lac que j'ai en vue dorénavant. Descendu de la montagne. Et puis aujourd'hui le trail c'est ça quoi. Du rocher. Du rocher, du caillou. Et souvent, en fait, on voit pas beaucoup de tronçons où il n'y a pas de trail. On voit absolument rien. Il faut juste se diriger de cairn en cairn, de caillou en caillou posé sur les rochers pour indiquer que c'est par là que ça se passe. Et puis, on a ce genre de petits points rouges qu'on retrouve un peu partout. Et donc voilà, des fois faut juste repérer là quand il y a des cailloux posés sur un rocher comme ça, bah c'est que c'est par là. Par où ? C'est par là. Parce que j'ai la casquette à ras du nez pour éviter les coups de soleil là, j'avais pendé la crème solaire pour 4 jours avec le temps que j'avais. Et puis là, 2 jours en plein soleil. Heureusement j'ai pris cette casquette là. Du coup, j'ai le bout du nez à l'ombre. Bien, l'une des dernières vues, je pense, sur le lac Rogan. Ensuite, là, d'ici 1 ou 2 km, je vais arriver à la cabane de Carignan. Et puis ensuite, je pense que c'est la semi-car au sable pour rejoindre le parking de Carignan. Et sur cette section-là, je pense que j'aurai plus de belles vues comme ici. Donc voilà. Il doit me rester à peu près 3 km là, pour arriver à Carignan. J'espère que ça va pas couper ce petit morceau de vidéo là aussi. Je sais pas trop comment je vais finir cette vidéo. Ça va peut-être être un peu abrupt. Parce que là, maintenant, chaque fois que je fais une vidéo, ça coupe automatiquement. Parce que j'ai plus d'espace sur la carte mémoire. Puisque tout au long de cette aventure, je ne suis pas parvenu à recharger suffisamment les caméras pour pouvoir tourner avec. Je me suis concentré sur le téléphone pour pouvoir m'orienter aussi. Et donc j'ai tourné l'essentiel de cette aventure sur le téléphone. Et j'ai pas suffisamment de carte mémoire, d'espace mémoire pour enregistrer 12 jours de vidéos intenses. Merci d'avoir suivi cette aventure. C'était voilà une grande aventure et puis plus courte que prévu. J'aurais vraiment souhaité que ça dure plus longtemps et puis avoir un peu plus de soleil, de façon à pouvoir mixer un peu plus des temps de repos comme je passe là, au temps où je fonce tête dans le guidon pour garder le corps chaud et puis garder le moral malgré les conditions météo. Quand il y a ce genre de météo, moi je préfère être trempé, froid, etc. Et puis avancer. J'arrive le soir, moi j'ai toujours un sommeil de bonne qualité, la satisfaction d'avoir atteint des objectifs, de m'être surpassé, etc. C'est vrai que du coup ça devient assez hardcore en termes d'aventure.
Mais voilà, j'ai adoré ça. C'est comme ça que moi je fonctionne. C'était super. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et je sais pas, pas de projet pour l'avenir, mais voilà, peut-être j'espère pouvoir reproduire ça, mais de façon beaucoup plus prolongée. Donc de nouveau, merci d'avoir suivi cette aventure et puis je vous dis à une prochaine. Ciao.